Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne QC Bro Gamers. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la partie 4, si je me trompe pas. Je vais calculer ça tout de suite. 1, 2, 3, 4. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, il en reste 4. Ok. Je voulais pas me fourrer dans mes paroles, même si ça change pas grand chose, va être écrit dans le titre. Fait que garde, il en reste 4. On va tasser ça de lui, on va tasser lui, on va prendre lui. Hein? Je pense que ça va marcher. Je sais que les symptômes. Les Horsemen sont pas égarants. J'ai un deck de Horsemen, mais il est pas fou fou fou. Il y a une des houses qui fait que le deck n'est pas bon. Fait que j'aime ça d'en pogner un. Un autre, un bon deck. Même si c'est pas les meilleurs affaires au monde, mais j'aime ça. Tu sais. Avoir un deck de ça. Oh. Il sera pas là-dedans, en tout cas. À moins que c'est des Mavericks. C'est vrai, j'ai pas remarqué si j'avais des Mavericks dans les autres, mais je pense pas. This Shadows Logos, the leader that anticipate currency. J'ai qu'en fait un petit. What? Celle-là, il y a un petit truc pour lever ici. Les autres l'avaient pas vraiment comme ça. Ils l'avaient, mais croche. Elles sont plus faciles à ouvrir dans cette série-là. Parce que si vous regardez des boîtes, si vous regardez les boîtes, s'il est couché comme ça, c'est comme ça, c'est que c'est la deuxième wave, là, comme on dit. Que comme dans celle-là, t'auras pas de nom offensant. C'est pour ça que, si vous trouvez une boîte moite, ben, ça dépend, là. Ça dépend de ce que vous avez l'intention. Mais, si vous voulez des noms offensants, ouvrez la boîte. Si vous en foutez, ben, vous pouvez peut-être vendre la boîte plus chère que elle de la deuxième wave puis faire un profit. Fait. C'est comme vous voulez. Moi, je voudrais un offensant. Fait qu'on commence par Shadows. Shadows Self, on t'a maudit, j'ai pas pogné ça dans un deck. J'invite à aller voir mon autre vidéo qui est toujours intéressant avec ça qui s'est passé. What? Ok. Allez voir la vidéo, il y en a une de plus dans le fond. What the hell, ok. Nice. Bad Penny. Ah, c'est pas. À part de ça, mais c'est pas. C'est pas un des créatures de Shadows. Ah, oh, avec Bad Penny, c'était excellent. Steel. Nice. Ok, il y a quand même pas mal de Steel. Je sais pas, je vous ai dit, mais j'essaie de faire ça un petit peu plus vite parce que j'ai pas pris une limite de 10 minutes. Là. Enfin, puis là. C'est ça, faudrait que. Oh, yes, j'ai jamais eu de Neutron Shark. Destroy an enemy creature and art artifact and different new creature artifact. Discard the top card of your deck. If that card is not a Logos card, trigger this effect again. Puis là, ils ont racheté, je pense que quand lui s'en va du jeu, l'effet se finit. Hein. Moi, normalement, le shark s'en va. Fait que l'effet finit. Oh, puis avec celle-là, c'est excellent parce que tu peux. Finir ta. Dans le fond, tu l'as en jeu, puis là tu détruis, puis là t'arrives. Tant que c'est pas une Logos card que tu discartes, l'effet continue. Fait que lui, tu le détruis, il est sur le top de ton deck. Tu le sais que c'est une Logos card. Deux fois, c'est bon. Play the top card of your deck. Tout le temps bon. You may play a non-Logos card. Nice. You need to discard a random card from their hand, ça c'est bon, deux fois, action, c'était, oh, lui, je l'aime bien, after enemy, creature is destroyed fighting over Lord Greeking, put that creature into your, onto plate into your control, under your control, excusez. Oh boy. Ok, mais c'est pas si près que ça, artefact, wow, j'ai été chanceux, cet artefact-là, il est quand même excellent. Ah, ça c'est bon, each enemy creature with armor lose all of it. Armor until the end of the turn and is dealt one damage for each point of armor is lost this way. C'est excellent contre Sanctum, c'est excellent. Oh, des forging clés là, d'un petit combo rapide. Teint ta clé coûte plus 3, elle coûte 9. Le tour d'après, t'arrives, tu y fais ça, tu y redonnes 6 Ember. Fait dans le fond, il a perdu 3 Ember. Faut qu'il reforge sa clé. Deuxième deck de cette partie. Numéro 4. 5. J'ai dit 4 au début de la vidéo, hein. C'est 5 ici. Il n'y a pas de Shadows. C'est pas grave, j'en ai pas mal.
dont un qui va être excellent. Lord Love Shine Leak. OK? Yeah, tu vois, celle-là, il n'y avait pas le petit cap, le petit gap. On commence par un team. Oh, Nifle Queen. Nifle Ape. Deux fois Nifle Ape. Ah, ça va mieux. On en aura plus. C'est pas grave. Il n'y a pas le... Call chose. Full moon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon. C'est bon. Mars. Oups, Mars, ben, c'est celle-là. Capture. You may occur a friendly creature. Ouais, ok, nice. Real number of Mars. For each card reeled this way, you may ready one Mars creature. Nice. Logos. After you forge a key, destroy each creature and artifact. Ça peut être bon si tu sais que t'as pas beaucoup de créatures et que lui il y a un board puis tu vas forger une clé. Purge a creature in play. If you do, your opponent gain control of Spangler Box, qui est cette carte là. If Spangler Box leave play, return to play all card purged by Spangler Box. Play the top card of your deck. If your opponent has more, then you steal one and draw a card. Nice. I have a card. Each player lose half of their ember, running down the last gain one chain. Bon, ben, là, je pense, lui, que je jouerais le plus en ces deux decks-là. C'est probablement lui. Parce que lui, il est bon. Ben, ok, non, peut-être. Non, les deux. Les deux, on l'a excel. Fait que, je vous dis de vous abonner, partager, liker. Puis, parlez-en à tout le monde. J'invite à voir toutes les autres parties avant. Je vais toutes les avoir filmées la même journée. Dans le fond, il en reste une autre. Fait que si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Mais ils vont pas toutes sortir en même temps. Ils vont sortir comme une vidéo jour, deux jours, ça dépend. Ça dépend des journées. Fait que merci. Abonnez-vous, partagez, likez.